disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Amen. Après ces deux chants, je vous invite à vous asseoir. On va passer un petit moment de prière, un petit moment de reconnaissance, car le Seigneur veille. Il veille même si quand on parle de lui, il y a des moqueries, même si beaucoup autour de nous ne croient pas à ce que nous croyons, ne s'engagent pas dans le même engagement qui est le nôtre. Nous allons prier justement pour ces personnes, parce qu'elles sont chères aussi aux yeux de Dieu. Amen. Alors passons un peu de temps de prière pour ces frères et ces sœurs. Et Seigneur, nous sommes dans la joie de t'appartenir, car tu nous as délivrés de nos péchés, délivrés de notre ancienne vie, Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants de toutes ces bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Et oui, Seigneur, nous voulons que le monde puisse reconnaître que tu es le grand Dieu, le Dieu unique, Seigneur. Oui, que le monde puisse voir que tu es celui qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que tu nous demandes aussi de témoigner, d'annoncer aussi cette bonne nouvelle, Seigneur, donc que tu puisses encore nous accompagner, nous diriger, de nous bénir aussi dans nos témoignages, Seigneur, et que nous puissions vraiment annoncer combien tu es grand, combien tu es merveilleux à ce monde, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions pour tes bontés envers nous. Tu es bon à tout temps, mais ce monde est en crise et c'est qu'un début, qu'une prémonition aussi d'une fin où chaque homme, chaque femme se présentera devant ton trône pour répondre pour ses actes. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Et nous te louons énormément et te t'implorons ta grâce, ta miséricorde sur ce monde et qu'à travers de nos vies, malgré nos limites, malgré presque le confinement où les gens ne peuvent pas accéder facilement à ta salle pour t'entendre, que nos vies comptent et que tu nous permettes d'avoir les paroles, les actes, ta force, ta grâce pour ce monde. Amen. Amen. Et pour cette grâce immense que tu nous fais. Et je te prie de nous utiliser jour après jour et pour faire découvrir ce royaume à ceux qui sont encore loin de toi, loin de la croix, pour qu'ils puissent venir au pied de ta croix, contempler ton amour, cet amour immense dont tu les aimes, Seigneur. Merci, parce que tu veux m'utiliser, tu veux nous utiliser pour cette œuvre merveilleuse, Seigneur, dans ce monde. Donne-nous d'être chaque jour dans l'obéissance à ton esprit, pour apporter cette bonne nouvelle, pour partager cette bonne nouvelle, puis dans nos familles, Seigneur, dans nos relations avec ceux que nous côtoyons dans ce monde. Amen. Amen. Oui, Seigneur, devant ton œuvre, devant ce que tu as fait pour nous, Seigneur, on ne peut que être dans la joie, comme on l'a chanté, Seigneur, dans l'allégresse, Seigneur, dans cette démonstration vraiment vivante, Seigneur, de joie, parce que tu as fait tant de choses pour nous. Et aussi, Seigneur, combien il est difficile pour nous d'être dans cette joie quotidiennement, Seigneur Dieu,
de ne pas se laisser balloter par les circonstances de la vie, Seigneur, par nos petits malheurs, Seigneur. Mais tu nous dis, Seigneur, que ces malheurs sont peu de choses devant l'éternité qui est devant nous, Seigneur, dans laquelle on sera éternellement dans ta présence, dans laquelle on pourra se réjouir, Seigneur, véritablement de toi, Seigneur. Et tu nous demandes de trouver cette joie, Seigneur, dès maintenant en toi. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à être véritablement joyeux, Seigneur, et que le monde puisse voir que le message que l'on porte transforme les cœurs, Seigneur. Nous aide à voir nos épreuves, nos difficultés différemment à la lumière de ta grâce, de ton amour et de ta bonté immense envers nous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi et tu dis quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et nous voulons regarder à toi et parce, aussi pour sauver ceux autour de nous. Amen. Merci Seigneur pour ce verset dans ta parole, Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Merci pour ce quiconque, Seigneur. Et je te prie pour que tu nous donnes un cœur pour toutes ces personnes qui sont loin, Seigneur, que peut-être nous avons peur d'aborder parce que on a peur aussi d'aller vers ces gens, ceux qui sont dans les rues, Seigneur. Je pense aux prostituées, je pense aux sans-abri, je pense à ceux qui n'ont pas la même sexualité que nous, aux homosexuels. Je pense à tous les gens, Seigneur, qui sont rejetés, qui peut-être n'osent pas franchir le seuil de notre Église de peur d'être jugés et pourtant qui veulent s'intéresser à toi. Et je te prie vraiment que tu nous donnes un cœur. Un cœur rempli de ton amour, que nous puissions nous asseoir avec ces gens, prier avec eux, que nous puissions ne pas attendre qu'ils se convertissent pour rentrer dans l'Église, mais qu'ils puissent rentrer tels qu'ils sont, qu'ils puissent se sentir aimés, Seigneur. Je te prie vraiment à tous de nous donner un cœur grand, Seigneur, comme le tien, avec cet amour inconditionnel, Seigneur, qui est ton amour, qui est ton amour qui n'attend rien en retour, qui veut juste te donner, Seigneur. Je te prie vraiment pour cette joie, que cette joie déborde de nos cœurs, et qu'on puisse vraiment la transmettre à toutes ces personnes qui sont tellement loin de toi et qui très souvent en souffrent et ne trouvent pas l'issue pour en sortir. Je te prie, Seigneur, pour cela, je crie à toi, pour que vraiment tu nous donnes ce cœur, Seigneur, tu nous donnes ce cœur d'amour pour ces perdus, Père. Amen. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Toi qui m'as aidé à faire le choix dans lequel je m'engage aujourd'hui, j'ai fait le choix de te suivre parce que tu es celui qui est venu me chercher. J'ai fait ce choix parce que je veux vivre pleinement ta grâce. Pleinement ta bonté, cette grâce qu'aucune richesse ne peut combler. Permets, Père, que je demeure dans ta maison, en savourant ta bonté, en me rassasiant de ton amour, cet amour qui couvre à l'abondance. Permets, Seigneur, que je sois cet enfant que tu as décidé de combler, que tu as décidé de bénir. Permets, Seigneur, aussi que je sois ce disciple qui s'inquiète des autres, qui ne te connaissent pas encore. Ce disciple qui va vers les autres, les aimant comme tu les as aimés. Permets, Seigneur, que je ne regarde pas les erreurs des autres, toi qui as effacé les miennes. Permets, Seigneur, que je m'engage pleinement et que je te reconnaisse comme mon Seigneur et mon Maître. Que je puisse, Seigneur, prendre cette parole comme une arme qui change les vies et qui les ramène dans le meilleur,
qui est à tes côtés, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous soyons ces fidèles qui te suivent dans toute situation, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le prochain chant, ça sera « Je suivrai ». Je suivrai mon Seigneur. Et c'est justement ce chant qui me rappelle toujours mon engagement. Est-ce que je suis capable de mettre en pratique toutes ces paroles? Amen. La décision, ça ne se discute pas. Je décide, je fais. Je décide parce que je suis convaincu. Ce n'est pas un projet de bâtiment dans lequel je m'engage. C'est un projet de l'éternité auprès de mon Dieu. Amen. Alors le prochain chant, ce sera « Je suivrai mon Seigneur et mon Dieu et mon Maître ». Suivez mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. S'engager dans le dernier chant, j'ai décidé. Juste, vous pouvez rester comme ça, juste deux secondes. Ésaïe, préoccupé de toutes les fautes du peuple, qu'on trouve dans Ésaïe 63, 7. Je pense que Carrie va beaucoup plus étaler ce qu'il voulait dire. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Je crois que ce verset, on doit s'inquiéter de ce que Dieu a pour toute personne qui s'engage avec lui et pour toute personne qu'il a de réserve pour toutes les personnes qui ne sont pas engagées avec lui. Se préoccuper beaucoup plus de ces personnes qui ne sont pas encore engagées. Amen. Il est important de s'intéresser au projet de Dieu pour moi et pour les autres. Comme je dis toujours, l'Évangile, une fois que nous l'avons compris,
Il n'est plus pour nous, il est pour les autres, ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. C'est pour ça, il faut décider de faire ce choix. Il faut décider d'aller de l'avant. On ne stagne pas avec Dieu. On ne s'arrête pas à la compréhension de l'évangile avec Dieu. On comprend, on transmet, et ainsi de suite. Amen. Le prochain chant, j'ai décidé, et puis on finira par un autre chant après. Je ne sais pas quelle sera la suite de ma vie, mais je sais que celui que j'appelle Père connaît le moindre détail de ma vie. J'ignore comment je serai après, mais je sais que Dieu le sait déjà, parce que c'est lui qui l'a programmé. Restons attachés à ses promesses. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas rien du tout. Restons fidèles à ce Dieu, car il connaît le détail de nos vies, le moindre recours de notre vie. Amen. Car je connais, c'est ce que ça sera pour comme prochain chant. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur. Projet de paix.
Amen. Oui, Seigneur, c'est des projets de paix que tu as pour chacun d'entre nous. Prenez place. Et avant de laisser la parole à Carrie, je veux juste remettre ce culte une fois de plus entre les mains du Seigneur pour que nous soyons guidés et pour que nos oreilles soient ouvertes, pour que nos cœurs soient disponibles pour réceptionner ce que Dieu a à nous donner au travers de son serviteur. Amen. Carrie, je te laisse la place et je reviendrai sur les annonces après. Écoutez, bonjour à chacun. Bonjour à nos amis sur Zoom. Alors on est un petit peu plus nombreux aujourd'hui dans cette salle et c'est un vrai plaisir de pouvoir voir des visages, même si ces visages sont encore masqués. Ce sera mieux si ça tient. Voilà, et vraiment, je crois qu'on était super heureux, super bénis de pouvoir partager pour ceux qui étaient avec nous au week-end de retraite, de pouvoir partager ce temps. Où on a pu se voir aussi à l'extérieur, donc en voyant les visages en entier, hein, on a pu se défouler aussi, mais vraiment le Seigneur a béni, et je voudrais vraiment souligner comment le Seigneur a béni. Je l'ai partagé au week-end de retraite, mais quelque part on a failli ne pas pouvoir tenir ce week-end parce que la règle
des 30 jours maximum, enfin des 30 personnes maximum sur une réunion associative. Donc, on n'était pas dans un lieu de culte. Donc, de toute façon, elle se serait appliquée. Bah, c'est appliqué lundi matin. Alors que bah voilà, nous étions, je sais plus, 60, 70 sur, ensemble pendant deux jours. Donc voilà, c'est remercions vraiment le Seigneur de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il fait, de ce qu'il continue à faire et de ce qu'il est à nos côtés à chaque instant. Vendredi midi, j'ai échangé alors pendant deux heures et demie. Alors j'étais supposé bosser et il y a eu une parenthèse qui est venue se poser avec un ami qui est venu parler de la foi avec moi, qui cherche. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné, alors c'était très très libre, très très dans l'échange, et à un moment donné, je lui ai parlé de l'amour du Père. Et je l'ai vu. Presque les larmes aux yeux à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, quand on connaît cet amour du Père, ce qui, j'espère, est le cas de beaucoup d'entre nous ce matin, bah, on a quelque chose qui vibre en nous. On n'a pas forcément eu un Père parfait, les uns et les autres. J'ai eu, moi, un chouette papa qui n'était pas parfait, qui m'a laissé déjà une image positive du Père. Mais je voudrais que ce matin, et c'est vraiment le thème de ce matin, c'est Dieu notre Père, et qu'on puisse regarder à ce Dieu comme, et c'est ce que ce passage nous invite, je crois vraiment à faire, comme le Père parfait. On a peut-être eu des pères défaillants, on a peut-être eu des pères partiellement présents, mais on a ce Dieu absolument parfait. Et je dis souvent à mes enfants, je leur dis, je ne suis pas parfait. J'essaye de donner le meilleur, mais accrochez-vous à Dieu, qui est ce Père parfait, qui nous aime et qui vous aime et qui m'aime avec vous. Voilà. Mais donc, regardons ce matin à ce Dieu, et c'est vraiment le thème ce matin, c'est Dieu notre Père. Je vous ai envoyé sur WhatsApp, pour ceux qui ont pu le voir un petit peu tardivement, je dis tiens, est-ce que si vous pouvez lire Ésaïe 63 et 64, ce sera super. Alors, on va les lire ensemble. Et juste avant, donc en introduction, j'aimerais juste revenir sur, remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ésaïe 63 et 64, on arrive à la toute fin d'Ésaïe. Il nous reste après 65 et 66. Et on a vu et revu, vraiment, il y a des côtés assez cycliques dans le livre d'Ésaïe, où on voit que Dieu juge, Dieu est saint, Dieu juge. Qu'il entre guillemets condamne le peuple, qu'il annonce qu'il va y avoir un reste qui sera sauvé, et on voit quelque part ça qui revient avec une ouverture progressive vers un Messie qui vient, qui doit venir, là aussi qui est décrit étape par étape, et cette annonce d'une restauration du peuple d'Israël, alors d'une partie du peuple certainement, et puis derrière l'annonce d'un temps extraordinaire, alors qui est annoncé par exemple dans Ésaïe 25, qui est réannoncé à plusieurs reprises, et on arrive vers cette fin du livre d'Ésaïe, où on a chapitres 60, 61 et 62, où on nous décrit comment ça va se passer quelque part. On nous dit voilà, que ça va être complètement incroyable, extraordinaire, que les nations viendront servir. Alors on ne comprend pas forcément absolument tout, mais on comprend en tout cas qu'il va y avoir quelque chose de complètement fou, et qui va passer par chapitre 61, un serviteur, le Messie, qui sera rempli de l'Esprit. Et la dernière fois que j'ai prêché, on était sur 61 et 62, il y avait vraiment un appel à être, souvenez-vous, des sacrificateurs et des intercesseurs, chapitre 62. Et en fait, on avait décelé que, Dieu nous appelait à intercéder pour que ces temps arrivent. Donc là, on en était là. Et donc, on arrive sur ces deux chapitres qui, vous allez le voir, sont assez incroyables aussi. On a vraiment des diamants dans ce passage. Et en conclusion, j'ai gardé deux versets en particulier à essayer de retenir. J'avais partagé il y a quelques temps... sur WhatsApp, là j'étais parti marcher le matin en priant et j'avais partagé l'importance de connaître des passages de la parole par cœur et le bien que ça fait.
Et en conclusion, j'aimerais qu'on puisse vraiment garder deux versets, on s'arrêtera dessus, deux versets comme vraiment des piliers de notre foi et des versets qu'on peut connaître et sur lesquels on peut s'émerveiller. Et juste pour vous donner une idée, hier matin, je suis allé courir et je priais en même temps que j'écoutais. Alors j'aime bien écouter Peter Benz, pour ceux qui connaissent, c'est un pianiste un peu fou qui reprend des mélodies connues. Et j'aime en fait adorer dessus. Et en fait, dans mon adoration, bah, j'avais le psaume 23 qui revenait, j'avais le psaume 34 qui revenait. Puis je m'émerveillais de voir comment vous avez pu voir sur WhatsApp aussi comment Dieu nous a protégés en famille dimanche passé. Tu es gros. c'est vraiment de l'émotion positive. Ouais, donc on a ce Dieu qui prend soin de nous et vraiment attachons-nous à sa parole, parce que sa parole, elle est parole de vie. Alors on va avoir deux temps ce matin. Un premier temps, c'est les six premiers versets du chapitre 63, où on voit Dieu qui exerce son jugement et qui le met en œuvre au jour de, et qui met en œuvre le jour de la vengeance. Alors vous allez voir, description sobre, mais extrêmement impactante. Et puis après, deuxième partie, où on va avoir du verset 7 du chapitre 63 à la fin du chapitre 64. Cette prière, ce cri du cœur du prophète et du peuple avec lui. Et on va voir en fait l'attitude et la posture du peuple dans cette situation annoncée, qui est la situation de l'exil. Donc on va voir que le peuple, là, dans ce moment-là où ce cri sort, le peuple était ou va être, vu que Ésaïe prophétise dans les années moins 700 et avant, et que l'exil aura lieu à partir de moins 606. Donc là encore, émerveillons-nous de ce que le Seigneur a fait. Alors je vous invite à prendre avec moi les versets donc 1 à 6 du chapitre 63. Alors je vais m'arrêter pas mal dessus. J'aime bien quand on lit, souvent, j'ai grandi à l'église, hein, et souvent on commençait le message avec une lecture d'un passage, puis ça allait vite. Et puis finalement, on attrape quelques mots, etc. Puis on attend qu'on nous explique ce qui va se passer. Je vous propose qu'on prenne le temps de lire ces versets, qu'on s'arrête dessus. Donc, chapitre 63, verset 1. Qui est celui-là ? Alors, c'est la version de la Bible annotée que j'utilise. En l'occurrence, donc elle n'est pas toute jeune, mais j'aime bien parce qu'elle est assez... littéral. Donc, qui est celui-là qui vient d'Édom, qui vient de Botsra, en habit éclatant, magnifique dans son vêtement, se redressant dans la grandeur de sa force ? C'est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. Alors, je m'arrête deux secondes dans cette vision. Donc, Édom, c'est des noms qu'on entend régulièrement, hein, Édom, Moab. Donc c'était deux peuples qui étaient très opposés au peuple d'Israël. En l'occurrence, Édom était sur la partie sud, donc au sud du royaume de Juda. Et la Bible nous raconte que en fait Édom était le fils d'Ésaü, frère de Jacob, et qu'en fait de tout temps, Édom et Moab ont cherché finalement à faire tomber Israël. Et on voit quand justement Israël est emmené en captivité, qu'Édom se réjouit. Édom veut dire rouge, d'ailleurs, donc on parle de vêtements rouges, vous allez voir un petit peu plus loin. Et Botsra, donc qui est une ville d'Édom, Botsra, c'est le lieu de la vendange. Donc clairement, on va voir que dans ce qui est dit là, Dieu s'adresse spécifiquement à Édom et Botsra, mais qui a une dimension symbolique aussi, de par les noms, en fait, et on va voir ça. Donc, on voit cette personne qui revient magnifique dans son vêtement. Verset 2, « Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme quand on foule l'oppressoir ?»« J'ai été seul à fouler l'oppressoir, » répond cette personne. « Parmi les peuples, personne n'a été avec moi et je les ai foulés dans ma colère, piétinés dans ma fureur. Le jus a jailli sur mes habits et j'ai souillé tout mon vêtement. » Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de ma rédemption était venue. Et j'ai regardé. Personne pour m'aider. Je me suis étonné. Personne pour me soutenir. Mais mon bras m'a sauvé
et c'est ma fureur qui m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère et je les ai enivrés de ma fureur et j'ai fait couler leur sang à terre. Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez en lisant ce passage. Je vois Julien. il est dur. Il est dur ce passage et je ne sais pas vous, mais moi, j'éprouve vraiment de l'inconfort quand je lis ça. Et en fait, je crois vraiment que ce passage, il nous rappelle que on a affaire avec Dieu à un Dieu qui est saint, à un Dieu qui hait le péché et qui hait aussi ceux qui en veulent à son peuple. Et d'hommes en voulaient au peuple d'Israël. Et quelque part, Dieu se lève. Dieu a temporisé, on le voit, hein, ça a mis du temps à venir, mais à un moment donné, Dieu se lève, Dieu est saint, Dieu ne supporte pas le péché et Dieu agit. Alors, si ça nous met dans l'inconfort, ce passage-là, je vous propose trois pistes avant de passer sur la partie d'après du message où on parle de l'amour du Père et qui va nous donner une autre vision, une autre compréhension qui vient ensemble hein, de qui est Dieu. Et donc, si ça nous met dans l'inconfort déjà, première chose, soyons du côté du Seigneur et non pas contre. Première chose, où est-ce que je suis? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis du côté du Seigneur ou est-ce que je suis contre? Il n'y a pas de « je suis neutre », ça n'existe pas avec Dieu. Deuxième piste, intercédons. La dernière fois, on a été appelé à intercéder. Intercédons et agissons aux côtés du Seigneur et par sa force. Et démontrons cette compassion. On a prié au début du culte vraiment pour ceux qui autour de nous ne connaissent pas encore le Seigneur. Intercédons et agissons. Et une troisième piste sur ce premier passage, le Seigneur est tout-puissant. Quelle assurance! Quand on voit en fait comment ce texte décrit le Seigneur, il n'y a pas eu de... Enfin, il était juste tout-puissant. Il est arrivé, il a piétiné, il a pressé. Hein, donc, c'est une image du massacre, hein, finalement. Il a fait son œuvre. On voit, j'ai été seul. J'ai été seul. Alors, moi, ça me rappelle absolument quand Christ était à la croix. Christ à la croix était absolument seul. Tout le monde l'avait abandonné, mais par sa force, il est allé au bout. Et quelle assurance cela peut nous donner de savoir que ce Dieu est avec nous. S'il est avec nous. Donc, si on est du côté du Seigneur. Alors, voilà, donc six versets denses, je vous invite à les relire chez vous, vraiment, à dire, Seigneur, si cette colère, qu'elle puisse passer à côté de ceux qui sont autour de moi, et ça veut dire, encore une fois, parlons et prions à ces amis que l'on ne souhaite pas voir dans cette situation. Deuxième partie, donc, Dieu comme un père. Et je vous invite à lire, du coup, ces versets qui, de mon point de vue, sont assez dingues. Alors, j'ai utilisé ce mot. Il y a de la richesse dans ces quelques lignes. Et donc, on va prendre le temps de s'y plonger. Et on va commencer. Alors, merci Akli d'avoir lu ce verset 7. Verset 7 d'Ésaïe 63. « Je célébrerai les miséricordes de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, comme il convient, pour tout ce que l'Éternel a fait, tout ce que l'Éternel a fait pour nous, et sa grande bonté envers sa maison d'Israël, qu'il leur a témoigné selon ses compassions et selon la grandeur de ses miséricordes. » Donc là, on a un peu un feu d'artifice de louanges, de célébrations. Mais pourquoi ?
parce que, et les mots qui reviennent, c'est miséricorde, ce qu'il a fait pour nous, sa grande bonté, ses compassions, la grandeur de ses miséricordes. Donc là, on a un condensé, donc juste après ce jour de jugement qui est présenté, on a un condensé là, le prophète qui, avec le peuple, finalement, qui engage le peuple, qui dit bah, « Je célébrerai les miséricordes de l'Éternel ». Et que vraiment on puisse, je crois que c'est la façon dont ce verset est positionné là, dans ce passage, c'est que le prophète a décidé, Ésaïe a décidé de commencer par s'émerveiller de qui est Dieu, quoi qu'il arrive. Le peuple, en l'occurrence, va être dans une situation qui est catastrophique. Et on va voir dans les versets qui suivent qu'il en est responsable. Mais avant même d'intercéder, le prophète et le peuple se souviennent des bontés de l'Éternel. Et finalement, c'est le chapeau, c'est le tout. C'est d'abord et avant toute chose, je célèbre les bontés de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi que le Seigneur fasse, je célèbre les bontés de l'Éternel. Et je trouve vraiment que c'est une leçon magnifique. Donc, remercions le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est et pour ses grâces pour nous. Et regardons ce contraste saisissant avec les versets précédents. Il y a le jugement et puis il y a les miséricordes de Dieu. Alors, on continue cette lecture, donc verset 7. Et puis, on a trois versets qui se suivent, où on voit en fait la dégringolade du peuple d'Israël. Verset 9, il a dit « Certainement, ils sont mon peuple, des fils qui ne me tromperont pas, il a été leur sauveur. » Là, on a la notion du peuple élu, du peuple choisi. Dieu avait choisi Israël et il avait promis, il a promis à Israël vous êtes mon peuple. Mais, et je l'avais dit la fois passée, une alliance, c'est une alliance, ça se passe dans les deux sens. Donc, Dieu respecte son alliance, mais encore faut-il que le peuple honore cette alliance. Et si le peuple l'ignore complètement et la met de côté, ce qu'on a vu dans Ésaïe 59, pour ceux qui se souviennent, où on a vu comment le peuple finalement a construit ce mur de séparation d'entre lui et Dieu, bah, forcément, à un moment donné, je vous ai choisi, mais vous avez construit ce mur, ce que dit le verset 9. Alors, verset 9, incroyable. Incroyable, là, on commence à voir l'amour du Père. Dans toute leur angoisse, il a été en angoisse. Et c'est pour ça que j'ai pris cette traduction, parce que d'autres traductions sont moins précises ou moins... on voit moins comment Dieu compatit et Dieu est avec nous. Donc, dans toute leur angoisse, il a été en angoisse et l'ange de sa face les a sauvés. Alors là, ça fait écho méchamment avec psaume 34, hein. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dans son amour et son support, il les a rachetés lui-même, il les a soutenus et les a portés pendant tous les jours d'autrefois. Donc, je les ai choisis, j'ai été avec eux, mais, verset 10, eux furent rebelles et offensèrent son Esprit Saint. Il se changea pour eux, du coup, en ennemi, lui-même leur fit la guerre. Donc, on voit cette dégringolade. Choisi, accompagné, aimé, mais finalement, j'en fais pas cas, j'en fais aucun cas, et à un moment donné, ce Dieu juste et saint, ce Dieu combat. Et quelque part, on le voit dans le reste d'Ésaïe, pour sauver un reste. On voit finalement, encore une fois, le cœur du Père. Donc ces versets 8 à 10, pardon, donc on voit cette dégringolade du peuple. Et puis donc on a ces versets 11 à 19, où là, on voit cette prière du peuple, ce cri du cœur, alors via le prophète, mais où finalement, ce peuple, on va le lire là aussi. Donc, verset 11, « Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit sortir de la mer avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint ? Qui fit marcher son bras glorieux à la droite de Moïse, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les fit marcher à travers les abîmes sans trébucher comme un cheval dans la plaine, semblable au bétail qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les conduisait au repos, ainsi tu guidas ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Donc là, on a ce peuple qui, pendant ces quatre versets, finalement se souvient
et l'importance de se souvenir, de connaître ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait pour son peuple dans l'Ancien Testament, ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, s'en souvenir et en faire quelque part comme un mémorial, se dire « Dieu a fait tout ça pour moi ». Et ça, ça fait partie de piliers, de fondations sur lesquels on sait qu'on peut revenir. Donc ce peuple-là, dans sa misère, va dire « Mais où es-tu, Seigneur ? Et pourtant, tu as fait ça. » Et donc il y a et cet appel « Où est-ce que tu es ?» et ce souvenir « Mais tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu qui a aimé. Tu es ce Dieu qui était présent à nos côtés. » Et puis, on a ces quatre versets, 15 à 16, où le peuple appelle Dieu. Donc, le peuple dit « Regarde des cieux et vois de ta demeure sainte et magnifique, de là-haut. Où sont ton zèle et ta puissance ?» Et là, c'est le peuple qui crie, qui dit « Mais en fait, quand on regarde notre vie, quand on regarde notre peuple, on ne voit pas de signe de ta présence. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions envers moi se sont arrêtés. Car tu es notre Père, car Abraham ne sait rien de nous et Israël ne nous reconnaît pas. Toi, Éternel, tu es notre Père, ton nom est notre Rédempteur de tout temps. » Et on voit bien, en fait, nos ancêtres, Abraham, Israël, ne peuvent rien faire pour nous. Ça, c'est du temps ancien, mais toi, Dieu, regarde, en fait, on ne voit plus du tout de signe de ta présence parmi nous, et pourtant, toi, tu existes, tu es notre Père, et on va voir les conséquences de ça. Pourquoi, ô Éternel, nous ferais-tu égarer loin de tes voies? Endurcirais-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Ton peuple saint a possédé le pays pour bien peu de temps. Nos ennemis ont foulé aux pieds ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas, qui ne porte point ton nom. Alors, là aussi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous lisez, quand vous entendez ces mots? Personnellement, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, je me disais, quand même, le peuple, il est gonflé. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je me disais, mais quand même, il n'a pas encore demandé pardon. Il n'a pas l'air de s'être réellement repenti et il en appelle au Seigneur. Et en fait, je crois, en méditant ce passage, en le malaxant, qu'en fait, ils ont la bonne attitude. Parce qu'en fait, ils s'appuient avant tout sur qui est Dieu. Avant de dire « Regarde Seigneur, je m'humilie, je suis désolé », si quelqu'un nous a fait du mal et vraiment il nous a traîné dans la boue et il l'a fait sciemment, évidemment sciemment, et que ce quelqu'un il vient nous voir, il nous dit ah, je suis désolé, je te demande pardon, je suis désolé, je te demande pardon, on n'est pas obligé d'accepter de pardonner. Alors passons le fait qu'on est chrétien, attention, mais dans la théorie, hein, j'ai aucune raison réellement, factuellement, de dire je te pardonne. Tu m'as fait une crasse absolue. Pourquoi est-ce que je te pardonnerais? Et en fait, le peuple, ce qu'il fait, avant toute chose, il regarde à Dieu et finalement, en regardant le caractère de Dieu, il sait que ce Dieu peut pardonner. Donc après, entre guillemets, ça sert à quelque chose de se repentir. Parce que d'abord et avant toute chose, j'ai regardé à qui est Dieu. Et ce Dieu, c'est un Dieu, c'est ce Dieu qui se présente et s'est dit deux fois, le mot « Père » est utilisé. On le retrouve aussi dans le chapitre 64. Et je crois vraiment que, en fait, le peuple, quand il regarde à Dieu à ce moment-là, il voit deux choses. Un, ce qui nous semble le plus évident pour nous, je pense, c'est Dieu se présente comme un Dieu d'amour, comme ce Père d'amour, le Dieu de l'histoire du Fils prodigue, hein, ce Père qui accepte de reprendre son enfant. Donc, il y a cet élément-là qui est énorme. Mais aussi, et ça, je pense qu'on y pense souvent moins, c'est qu'en fait, si le peuple est le peuple de Dieu et que ce sont ses enfants, il porte son nom. Et que la honte que le peuple peut avoir et l'absence évidente de la présence de Dieu sur le peuple pose la question, mais c'est qui leur Dieu? Et
je pense que c'est une notion de réputation à ce moment-là. Dieu est saint, Dieu est glorieux et Dieu veut que sa gloire soit reconnue de par le monde. Et si ses enfants sont dans la misère, est-ce que Dieu est vraiment si grand que ça? Et donc, je crois que le peuple, à ce moment-là, quand il regarde la personnalité de Dieu, il dit « Tu es Dieu, tu es notre Père ». Et finalement, ça veut dire que l'absence évidente de ta présence aujourd'hui dans nos vies, en fait, elle nuit à ta gloire. Alors qu'on voit dans les versets précédents, tu avais fait ça pour la gloire de ton nom. Tu avais fait ça pour la gloire de ton nom. Et ça, si on est enraciné dans cette conviction que Dieu est notre Père, et que du coup, il y a au moins ces deux éléments-là qui sont, il nous aime de façon absolue, et sa gloire dépend aussi finalement de ce qui se passe dans nos vies, et de la façon dont Dieu se révèle dans nos vies, à ce moment-là, on a une vision de Dieu qui n'a plus rien à voir. Alors, au verset suivant, donc on passe au chapitre 64. On voit là, le peuple appelle. Il dit « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, que les montagnes fussent ébranlées devant toi. » On voit qu'ils ont bien cette notion de la puissance de Dieu là. « Comme le feu allume le bois mort, comme le feu fait bouillir l'eau pour faire connaître ton nom à tes adversaires, de sorte que les nations tremblent devant toi. En faisant des choses terribles, inattendues, si tu descendais, que les montagnes fussent ébranlées devant toi. » Là, on voit la confiance que maintenant le peuple connaît cette puissance de Dieu. Il dit, si tu descends et que tu ouvres les cieux et que tu viens à nous, il n'y a pas de question sur l'issue, parce que tu es ce Dieu grand et saint et puissant. Et verset 4, ça c'est un autre bijou à garder en tête. Jamais on n'a oui ni entendu, jamais œil n'a vu un Dieu autre que toi qui agisse en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Ce verset résonne en moi, on sait qu'on a affaire à ce Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit capable de faire ce que notre Dieu peut faire pour ceux qui s'attendent à lui. Et là, on voit quand même cet accord du peuple qui dit « Ok ». Et là, on va arriver justement à une notion de repentance qui vient. Mais finalement, c'est d'abord « J'ai vu qui était ce Dieu ». Absolument merveilleux et incroyable, qui finalement ne pardonne. Verset 5, donc on a de nouveau cette fois-ci, on va revenir, on retrouve en fait le même format que sur le verset, la fin du chapitre 63, où on va 5 à 7 voir le peuple qui reconnaît ses fautes, le fait qu'il a rejeté Dieu, probablement aussi son légalisme, on va voir ça, et puis. À la fin, tu es notre Père, versets 8 à 12, pardonne-nous et agis. Donc, on a un parallèle par rapport à ce qu'on a vu sur le chapitre 63. On avait 63, verset 7, Seigneur, merci pour tes miséricordes. Voilà ce qui s'est passé dans nos vies. On a chuté, on a dégringolé alors que tu étais normalement avec nous. Du coup, on est dans une situation de misère et on crie à toi parce que tu es notre Père. Et finalement, le chapitre 64, on retrouve ce schéma. Donc, verset 5, « Voici, tu t'es courroucé et nous étions coupables. Il en est ainsi dès longtemps. Serions-nous sauvés ? Nous étions tous semblables à l'impur. » Alors, l'impur, c'est le lépreux dans l'idée. « Et toutes nos justices pareilles à un vêtement souillé. » Donc, nous pensions, et c'est pour ça que je parlais de légalisme, nous pensions peut-être, on avait encore le temple, on avait des sacrificateurs, on faisait nos sacrifices, mais toutes nos justices, nos actes, notre légalisme, étaient comme un vêtement souillé. Nous étions tous flétris comme la feuille et nos iniquités nous emportaient comme le vent. Il n'y avait personne qui invoqua ton nom, qui se réveilla pour se tenir ferme à toi. Car tu nous avais caché ta face et tu nous as laissé périr par nos iniquités. Donc, on voit vraiment cette chute libre du peuple, encore une fois. Mais maintenant, verset 8, « Ô Éternel, tu es notre Père, à nouveau. » Nous sommes l'argile et toi, celui qui nous a formés, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Ne sois pas courroucé, ô Éternel, à l'excès et ne te souviens pas à toujours de l'iniquité. Vois, daigne regarder, nous sommes ton peuple.
Tes villes saintes sont devenues un désert. Sion est devenue un désert. Jérusalem, une solitude. Là, on voit en fait finalement à nouveau le peuple qui dit « Mais ce n'est pas possible que ton nom soit, entre guillemets, sali, soit amoindri parce que ton peuple t'a désobéi et qu'aujourd'hui, voilà la situation de ton pays. Notre maison sainte est magnifique. » Où nos pères t'ont loué est devenu la proie du feu et tout ce qui nous était cher a été dévasté. En face de ces choses, te contiendras-tu, Éternel, te tairas-tu et nous feras-tu souffrir à l'excès. Alors, voilà, ce Dieu qui est notre Père, encore une fois, je pense, gardons en tête, nous, cette idée, bah oui, ce Père, en fait, il nous aime de façon absolument parfaite. C'est ce Dieu juste aussi, ce Dieu saint, donc à un moment donné, potentiellement, il punit. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple. Il l'a finalement envoyé en exil parce que ce peuple n'avait pas suivi. Tel un père qui aime, il y a cette capacité de sanctionner. Ce père, encore une fois, saint, qui est le péché. Et alors, du coup, donc on voit ce qu'il a dit au peuple, mais alors qu'est-ce qu'il nous dit à nous, individuellement. Alors, en première vue, alors je ne vois pas qui intégralement, qui est sur Zoom, je vois qui est dans la salle. Je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui sont ici ont donné leur vie à Jésus, mais si tu n'as pas donné ta vie au Jésus, première chose, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et ce Dieu, le Père, finalement, oui, on a tous péché, on est tous à l'origine condamnés, mais Dieu tend la main. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Et Bob nous a partagé un slide la semaine passée à la retraite, j'ai tellement aimé, où il y avait Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque a mis inclusif, ça inclut tout le monde. Par contre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, croit en Jésus. Et là, par contre, on est exclusif. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à celui qui aujourd'hui ne croit pas. Par contre, ça nécessite un mouvement. Ça nécessite d'accepter le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Mais il n'est pas trop tard. Si tu es chrétien, être chrétien, j'ai l'absolue conviction, c'est un combat. Éphésiens 6 nous parle d'un combat spirituel, nous dit que ce n'est pas les forces d'ici, c'est les forces dans les cieux qui se battent. Et on le voit dans toute la parole. Donc, être en combat, ce n'est pas un mauvais signe, c'est un signe de bonne santé. Si je ne suis plus en combat, là, j'ai un truc qui ne va pas en tant que chrétien. Alors, dans ce combat, certains peuvent, à un moment donné, baisser la garde. Et accepter une situation de péché, accepter un compromis et ne pas chercher à en sortir. Et c'est probablement arrivé déjà à chacun d'entre nous. C'est j'accepte d'être dans une zone un peu sombre où je ne cherche pas à combattre ce domaine-là dans ma vie. Je l'ai laissé. J'accepte finalement qu'il y ait les deux choses. J'accepte d'avoir un pied avec Jésus et un pied dans cette zone noire. Ça, c'est le compromis. Et je crois que le peuple était dans le compromis, c'est ce qui l'a amené là. On voit la vie de David, David qui était cet homme que Dieu aimait, David qui, en cercle vicieux, s'est retrouvé dans une situation absolument terrible de pécheur, on va dire, aguerri, qui allait faire mourir Uri. Mais il y a eu cette repentance de David. Mais s'il n'y avait pas eu cette repentance et qu'il avait continué comme ça, je crois que concrètement, il était à ce moment-là contre Dieu. Et il n'y a pas je crois qu'on ne peut pas tomber trop bas pour que le Seigneur, je ne crois pas, je suis sûr, la parole nous le dit, on ne peut pas tomber trop bas pour que le Seigneur ne puisse pas nous relever. Par contre, il faut absolument sortir de cette situation. Donc ce matin, si tu es dans cette situation, n'attends pas de te retrouver dans une situation comme le peuple qui avait dégringolé de cette situation de « je suis élu, je suis choisi » à
Dieu combat contre moi. Verset 6 à 8 du chapitre 63. Et donc, c'est pas compliqué. Prie le Seigneur. On nous parle de l'Esprit. On nous dit l'Esprit du Seigneur a été attristé dans ce chapitre 63. Et on nous parle aussi dans le Nouveau Testament de la possibilité d'attrister le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de rétablir la situation en nous. Le Seigneur est tout-puissant et le Seigneur est ce Père. Et invoquons vraiment, encore une fois, ce Dieu en connaissant son caractère, en sachant, un, il m'aime. Donc, il va m'aider. Deux, il est saint et son nom est invoqué sur moi. Et donc, il veut la victoire pour moi aussi. Donc ça, c'est cette situation où on a, quelque part, laissé le compromis et finalement, on vit, entre guillemets, dans le péché ou avec le péché. Et puis, si on est en combat, dans nos combats, il y a aussi des défaites. Par contre, je pense qu'il y a une vraie différence entre dire « je vis dans cette situation et je l'accepte » ou « mince, je suis encore tombé, Seigneur, aide-moi, relève-moi, aide-moi à me relever et à ne pas recommencer. » Mais là, je suis dans une notion de combat. Je suis dans une notion où je n'accepte pas et je cherche à tout prix à haïr ce péché qui est dans ma vie. Parce qu'on est encore pécheur. Le Seigneur nous sanctifie progressivement. Mais dans 1 Jean, on voit bien ce passage qui dit « Si vous dites que vous n'êtes pas pécheur, vous faites de moi un menteur. » Donc, on ne peut pas dire « je ne pêche pas ». Ce n'est pas possible. Par contre, Dieu nous rappelle, et ça c'est fabuleux, il nous donne cette assurance « je suis votre Père ». Donc, tu es mon enfant. Donc, ça veut dire que je te vois en combat, je suis avec toi, mais et vraiment, j'insiste là-dessus, de ne pas porter une culpabilité que le Seigneur ne souhaite pas qu'on porte. Le Seigneur nous dit, il n'y a, chapitre 8 de Romains, verset 1, ce verset est tellement puissant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je n'ai aucune condamnation parce que je vis en Jésus-Christ. Et Romains 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, ce Dieu nous comprend, il sait ce qu'on vit, il connaît nos luttes, et il vient et il nous aime, et il nous aide, et il nous relève, et il nous pardonne. Donc, ne portons pas pour rien une culpabilité que nous n'avons pas portée. Ne doutons pas de notre appartenance à Jésus. Si je suis dans le combat, j'appartiens absolument à Jésus. Ce n'est pas si je suis parfait, je ne suis pas parfait et aucun d'entre nous ce matin n'est parfait. Et le Seigneur nous dit aussi, et ça quel encouragement par rapport à ce Dieu qui est ce Père parfait, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ? Alors il y a deux passages différents et j'aime bien la diversité des deux, je pense que le Seigneur veut nous dire deux choses différentes. En Matthieu 7, verset 11, on dit « À combien plus fort il vous donnera de bonnes choses ?» Et puis, Luc 11, verset 13, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, demandons à ce Père qui est notre, à ce Dieu qui est notre Père, des bonnes choses spirituelles. Et puis, demandons-lui qu'il nous équipe vraiment de son Saint-Esprit, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit pour que nous soyons victorieux dans ces choses-là. En tant qu'Église, donc là on a vraiment parlé de nous et puis de ces amis qu'on a envie de voir sauver. Et en tant qu'Église, vraiment, invoquons le nom de Jésus sur notre communauté. Que notamment, on est en train de, on a demandé, on a fait une promesse de vente d'achat pour un lieu pour se réunir, un lieu où on pourrait tous être là. Même en période de confinement. Et y a de la lutte. La mairie dit qu'elle veut préempter. Le notaire de Truffaut n'envoie pas les éléments. Invoquons le nom de Jésus sur ce projet. Disons, Seigneur, je connais ton caractère. Je sais que tu veux que tu sois glorifié au travers de ton peuple. Et donc, tu ne veux pas ton peuple
dans une situation qui ne te glorifie pas. Tu veux ton peuple dans une situation où on va pouvoir te louer, t'adorer et recevoir et glorifier ton nom. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être pas ce lieu précisément que le Seigneur va nous donner, mais en tout cas, persévérons, intercédons pour dire « Seigneur, pour ta gloire ». Et vraiment, prions pour la gloire du Seigneur, pas pour mon petit confort à moi, je pourrais être assis avec plus de place, etc. Vraiment, prions pour la gloire de notre Dieu, pour notre communauté. Alors, en conclusion, je voudrais relire déjà ces deux versets pépites pour moi, que sont du coup Ésaïe 63, verset 7. Et puis Ésaïe 64, verset 4. Et vraiment, essayons de les apprendre par cœur et de s'en délecter. Et puis, bah, quand vous allez dans le train, dans je ne sais pas quoi, vos occupations, bah, que ces versets puissent rejaillir en vous. Que par exemple, le jour où vous vivez quelque chose de plus compliqué, ou même si vous vivez quelque chose qui est la conséquence d'une de vos erreurs, bah, qu'on sache dire en premier lieu, je célébrerai les miséricordes de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, comme il convient pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous, et sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il leur a témoigné selon ses compassions et selon la grandeur de ses miséricordes. Et que, voilà, on sache dire dans ces temps, qu'ils soient des temps de joie, des temps de peine, Seigneur, je célèbre tes miséricordes. Je célèbre tes miséricordes, je sais ce que tu as fait dans ma vie. Je sais que tu me parles, je sais que tu prends intérêt vis-à-vis de moi alors que je suis rien. Je suis un parmi 7 milliards aujourd'hui sur N générations et tu m'aimes. En dépit des pensées que je peux avoir de la saleté qu'il peut y avoir dans ma vie, tu m'aimes. Et puis... jamais on n'a ouï ni entendu, jamais œil n'a vu un Dieu autre que toi qui agisse en faveur de ceux qui s'attendent à lui. Et en fait, il y avait le début du verset 5 qui pour moi se rattache au verset 4. Tu es venu au devant de celui qui fait avec joie ce qui est juste, de ceux qui se souviennent de toi en suivant tes voies. Et encore une fois, ça rappelle tellement ce psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a cette notion de crainte de l'Éternel. Je respecte ce Dieu tout-puissant. Donc, souvenons-nous, ce Dieu est saint, versets 1 à 6, ce Dieu est saint. Et le jour où il vient juger sérieusement, il hait le péché. Mais nous avons ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est notre Père. Et donc, enracinons-nous dans cette compréhension de qui est Dieu. Parce que si j'ai, encore une fois, cette bonne compréhension de qui est Dieu, alors je n'ai pas à craindre. J'ai pas à craindre. Et ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de ma capacité. Ah Seigneur, regarde comme je m'humilie. Non, ça dépend de la capacité de ce Dieu à pardonner parce qu'il est ce Dieu qui est ce Père parfait. Je t'invite à prier. Oui, Seigneur mon Dieu, vraiment, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que on peut regarder, Seigneur, aux religions de par le monde. Et Seigneur, il y a un Dieu qui se présente comme ce Père plein d'amour, ce Père qui pardonne, ce Père qui accueille. Seigneur, c'est toi. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu as faite, cette œuvre à la croix. Merci pour cet amour, merci pour ce sacrifice. On ne comprend pas forcément, Seigneur, pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais Seigneur, ce que je désire de tout mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, Seigneur, qui lisons ces versets, cette parole, puissions dire, Seigneur, merci, tu es grand, tu es saint, tu nous as pardonné, tu nous aimes et je veux te servir et je suis ton enfant. Et oui, je crie Abba, Père, je dis tu es mon Père et ça, c'est tellement incroyable. Seigneur, merci encore pour tout ça. Seigneur, que vraiment, je te prie pour ceux et celles qui ont eu peut-être un papa défaillant, Seigneur. Je te demande de permettre que tu sois ce consolateur, que tu sois, Seigneur, celui qui se révèle comme le Père et que, Seigneur, le fait d'avoir eu un papa défaillant ne soit pas un souci, un problème pour apprendre à t'aimer, mais, Seigneur, que ce soit une révélation. Que, Seigneur, oui, tu viennes et que tu te présentes comme le Père absolument parfait qui vient et qui compense
de façon absolue, Seigneur, la défaillance de ce que chacun, chaque papa a pu avoir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens, guéris, restaure, révèle-toi à nous. Je te le prie, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Carrie. C'est vraiment chaleureux de comprendre la parole de Dieu qui nous ramène toujours à cette certitude que Dieu est parfait, que Dieu c'est l'assurance tout risque, que Dieu est cet appui qui nous ramène à toucher ce qui ne va pas dans nos vies pour que justement nous puissions le corriger et revenir vers lui parce qu'il n'attend que ça. Amen. Alors, soyons fidèles dans notre engagement, soyons fidèles dans ce qu'il nous demande, notamment nos dîmes. Restons fidèles parce que Dieu nous dit, si vous faites ce que je vous dis, il nous comblera de son amour, il nous comblera de sa bonté. Alors, restons fidèles dans nos dîmes et n'oublions pas ce que nous devons faire pour justement accomplir cette parole. Et je reviens vers les annonces. Il y a pas grand-chose. La retraite est passée, nous l'avons agréablement passée. Mais c'est bien d'être en communion. Et je veux parler de ça par rapport au groupe de maison. Il y en a à Plaisir, il y en a à Villepreux, il y en a à Ben et il y en a à Gombe. Attachons-nous à cette parole. Prenez contact avec des personnes qui sont un peu partout dans ces villes. Carrie, moi, Bruno, Agénor, Corentin, et peut-être j'oublie. Prenez vraiment contact pour ne pas rester à l'écart de la parole de Dieu. Ne pas rester à cette communion pour laquelle Dieu nous appelle. Amen. Et pré-ado, et je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu pour la semaine, une fois par quinze. D'accord. Ok, j'ai une annonce. Oui. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Je ne sais pas si ça marchera. Essaye. En tout cas, ceux qui sont sur l'Internet, ils vont voir. Ça va, je peux le faire? Oui, vas-y, essaye. Véro, tu peux m'aider? Voilà. Là, c'est bon, je pense. Voilà. Alors, si on arrive à... Oui, ça marche. Ça marche? Oui. Parfait. Tout simplement, suite à la retraite, et un grand merci à chacun qui a pu y participer. Voici les valeurs de notre Église. En haut, la parole de Dieu, parce que nous sommes basés sur ce qui est immuable, ce que Dieu révèle de lui-même. En passant à droite, l'Évangile, cette grâce qui nous accueille, Jésus-Christ lui-même, il façonne Jésus dans chacune de nos vies qu'il appelle à lui par sa puissance de ressusciter. On le célèbre avec un culte accessible à tous, et merci pour les prières des uns et des autres. Estelle en particulier ce matin qui nous remettait, nous rappeler d'être accessible, un culte qui accueille même ceux qui se sentent loin, qui s'approchent. La vie de la communauté, ensemble, nous montrons la grâce de Dieu, nous montrons l'amour de Dieu, nous montrons le pardon, un Dieu qui a des projets de bonheur et pas de malheur pour ce monde. Combien ils ont besoin de venir goûter et voir l'accueil intentionnel, et puis les disciples là. Pour cela, je vous invite, Dieu nous invite, je pense, de penser à une croissance spirituelle intentionnelle de chacun de nous pour grandir à tout égard à l'image de Christ. Nous sommes en marche, mais soyons intentionnels. Il a tant de bonté et suite même au message de Carrie de Isaïe 63-64, Israël, son peuple choisi, a oublié ses bienfaits et n'a pas avancé. Que cela ne soit pas notre cas,
que nous soyons intentionnels pour dire la vérité dans l'amour les uns aux autres. Et donc, pour croître à la stature parfaite de Christ. Et donc, pour cela, c'est de lui que cette croissance vient quand chacun de nous agit. Donc, nous avons discuté à la retraite des relations de confiance. Et plusieurs d'entre nous avons déjà invité d'autres dans nos vies à pouvoir partager. Qu'est-ce que Dieu fait ? Un partage. Et c'est cette relation de confiance comme les partenaires de course spirituelle pour qu'on arrive, s'encourage, on s'entende ensemble avec un engagement à la croissance. Donc, prions et cherchons une ou deux personnes de confiance pour dire notre engagement aussi les uns aux autres en posant certaines questions ensemble. Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te semble dans les domaines d'aimer Dieu, aimer les autres, façonner son caractère et construire son Église? Donc, c'est magnifique d'avoir des deux ou plus autres personnes de confiance à qui on peut dire ce que Dieu semble vouloir faire dans ma vie et que l'autre entende, l'autre prie et qu'il soit cette caisse de résonance qu'on puisse dire à haute voix, comme l'a dit Carrie ce matin en Isaïe 63, 64, qu'on n'oublie pas ce que Dieu est en train de faire et de simplement de prier l'un pour l'autre. Et puis, de trois, de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour aller, peut-être, qu'est-ce que Dieu peut m'appeler à encore faire pour, c'est pour parvenir à cette stature parfaite de Christ. Donc, aimer Dieu, aimer son prochain, construire le caractère et édifier la communauté. Il y a des documents qui peuvent vous aider pour qu'on les distribue à la retraite. On peut donner à tous, on les a. Donc, je serai très content de vous les fournir. Et c'est pour un rappel de s'accepter dans ces moments de partage, poser mutuellement des questions. Ne pas faire des reproches, c'est surtout un moment d'écoute et de ne pas condamner, car il nous l'a rappelé encore, Romains 8, 1, parce que nous sommes pardonnés, il n'y a personne d'entre nous qui ne pêche, personne qui soit arrivé, tous on peut croître, grandir vers cette stature parfaite de Jésus-Christ. Voilà, merci, j'ai terminé. Merci Bob. Et tu as entièrement raison en disant qu'il faut se poser les questions. Et c'est des questions qui m'ont ramené aujourd'hui devant vous à accepter le Christ. C'est en me posant les questions pour comprendre quelle est la différence dans ce que je croyais et ce que je suis devenu aujourd'hui. On va terminer en reprenant le chant « Car je connais ». C'est possible ? Et gardons cette confiance en notre Dieu, car il connaît nos projets. Il sait ce que nous faisons, il sait ce que nous dirons. Faisons juste confiance à ce Dieu merveilleux. De malheur.
Alors, n'oublions pas, faire des erreurs, c'est humain. Il y a un proverbe qui dit « l'erreur est humaine ». Mais revenir à Dieu, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Soyez bénis, à dimanche prochain. Oui, les zoomers aussi, on ne vous oublie pas. Hein. Même si on ne voit pas tous les visages. On vous aime très fort. Merci à Claire.